J'ai interviewé, par exemple, Henry Kissinger, brièvement, comme tous les entretiens avec Henry Kissinger sont brefs parce que c'est un homme pressé. Il m'a dit que l'approche des Français, ça dépend de leur passé culturel et de leur passé historique. Et j'avais déjà décidé que c'était les deux grands pôles, les deux grands axes de l'étude, la culture proprement dite et l'histoire des Français. Je les appelle les deux fils, le fil culturel et le fil historique. Et dans le fil culturel, j'ai identifié, si vous voulez, deux aspects qui sont en relation dialectique l'un à l'autre. Le premier, c'est la tradition de la grande nation. D'ailleurs, dans le titre en anglais, on trouve ce titre, cette phrase Grande Nation, mais je l'ai laissé tomber pour la version française parce que j'ai constaté que les Français n'apprécient pas beaucoup ce terme et ne le connaissent pas bien. Or, ailleurs en Europe, surtout en Allemagne, c'est utilisé de façon fréquente pour stigmatiser, si vous voulez, l'arrogance des Français, soi-disant. Mais j'entends dire par ce terme grande nation toute la tradition de l'État français qui est unique en Europe continentale, c'est-à-dire la longue tradition de l'État, une diplomatie qui existe depuis l'ère de Richelieu, un État tout-puissant, la lourdeur de l'administration française, le fait que l'État a une espèce d'envoûtement. Sur les négociateurs français, ils pensent que défendre les intérêts de l'État est primordial. Un accord avec un interlocuteur étranger puisse devenir, mais si vous voulez, comme un extra. L'important, c'est de défendre les intérêts de l'État. Alors, la tradition de la grande nation d'un côté, et l'autre aspect de ce fil historique, c'est ce que j'appelle la culture de l'underdog, si vous voulez, la culture du perdant, mais je préfère le terme underdog parce que c'est assez connu ici en France. Et ça indique les hauts et les bas de l'expérience française, les moments de gloire et les défaites, surtout la défaite de 40. Et ces deux tendances sont en relation dialectique l'une à l'autre. Et ça produit une combinaison d'un complexe de supériorité d'un côté et d'un complexe d'infériorité de l'autre côté. Comme René Raymond, l'historien français, a dit, nous oscillons entre un complexe de supériorité qui nous rend parfois insupportables à nos partenaires. Un complexe d'infériorité qui est nié par nos accomplissements. Il a dit, nous passons sans tradition entre la suffisance et l'amorosité. Ça, c'est, si vous voulez, le fil historique. Dans le fil culturel, je résume dans la phrase qui m'a été fournie par l'ambassadeur Haro. La déesse de la raison. La notion que la raison puisse, dont les Français ont évidemment le secret avec la tradition de Descartes et les Lumières, les Français pensent qu'ils ont le secret et ils ont l'impression que, avec la raison, ils puissent conquérir les autres, ils puissent changer le monde avec l'exercice de la raison. Et dans ce fil culturel aussi, j'aperçois une différence essentielle entre le monde anglo-saxon, si vous voulez, et la France. Je le résume dans le contraste entre l'approche inductive et l'approche déductive. Côté français, on favorise l'approche déductive. On doit commencer avec un cadre, avec un accord sur les principes. Ensuite, on déduit les faits pour ajouter à ce cadre. L'approche anglo-saxonne est tout à fait différente. On commence avec les faits, on accumule des faits et on arrive peu à peu
un concept, hein, une théorie. Et si ces deux approches sont évidentes dans le monde du droit, dans le monde des négociations, dans le monde de l'éducation française.